rendu avec la mise en scène. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à votre séance du Conseil du mois d'août 2018. Merci aux gens qui sont présents dans la salle. Bienvenue à nos gens sur Facebook qui suivent l'actualité de la municipalité. Alors, comme d'habitude, pour une deuxième fois sur Facebook Live, on va faire une mise à jour de nos dossiers, ce qui se passe à la municipalité. Vous allez voir que malgré en théorie, le mois de juillet est un mois de vacances, ça bouge énormément à la municipalité. Tout d'abord, commençons avec peut-être une excellente nouvelle par rapport à notre bilan 2017 de la gestion des matières résiduelles. Vous savez, l'Assomption avait pris de l'avance dans l'implantation du compostage de bac brun. C'est implanté maintenant depuis 2 ans et demi. On était la première ville dans la MRC à faire ça. Je salue notre directeur de l'hygiène du milieu, M. Christian Sauvageau, qui avait initié ça avec ses collègues à la municipalité, ainsi que le conseil municipal de l'époque qui l'avait encouragé. Alors, d'excellentes nouvelles, parce que le volume de déchets de nos bacs noirs, donc ce qu'on met dans nos bacs noirs et qu'on envoie directement au dépotoir, a baissé de 25,8. C'est énorme en termes de tonnage. Alors, félicitations à tous nos citoyens. Par conséquent, ça veut dire que nos citoyens gèrent mieux leur matière résiduelle. Dans le bac bleu, il y a une croissance de 13 du tonnage qu'on dépose dans notre bac bleu plutôt que de l'envoyer au dépotoir. Puis la plus grande croissance est au niveau de nos bacs bruns, donc ce qu'on appelle le compostage. On avait commencé historiquement avec les déchets verts. Puis là, quand on regarde nos statistiques à chaque mois, le gazon et les arbustes étaient très forts en mai, en avril, tous les mois d'été. C'était très fort, mais pendant les autres mois, nos statistiques baissaient beaucoup. Là, ce qu'on commence à constater, c'est que de plus en plus, les gens font du compostage à l'année, ce qui est une excellente nouvelle, d'autant plus que l'hiver, c'est plus facile à faire parce qu'à cause des froids, il y a moins d'odeurs, il y a moins de choses comme ça. Alors, belle croissance au niveau des bacs bruns en matière organique, plus de 46 d'augmentation en termes de tonnage. Il y a des gens que l'environnement ne semble pas stimuler. Des fois, on peut voir sur les médias sociaux que des gens disent « Ah, moi, je veux pas embarquer là-dedans ». Une des préoccupations de nos citoyens, c'est la gestion de nos taxes. Sachez que des gestes environnementaux nous aident en termes de gestion de nos taxes. Je vous permets de vous donner une image. Là, si on met un 10 livres de patates dans le bac noir qu'on va envoyer au dépotoir, plutôt que de le mettre dans le bac brun pour le compostage, auquel on va donner une deuxième vie, ça nous coûte deux fois plus cher. Alors, à chaque fois que vous déposez quelque chose dans votre bac, le bleu, le noir ou le brun, pensez que le bleu et le brun vous coûte deux fois moins cher que le bac noir. Alors, si ça peut vous aider à vous motiver, mais bravo à tous nos citoyens pour ce travail-là. On va continuer. On sait que les autres villes embarquent dans le processus aussi, dans la MRC. La ville de l'Assomption, disons-le, soyons fiers, a la meilleure performance en termes de gestion de matières résiduelles dans la MRC de l'Assomption. Alors, félicitations. Ce qui m'amène aussi à vous parler que nous avons lancé officiellement un comité pour la nouvelle politique environnementale de l'Assomption. Notre ville n'avait pas de politique environnementale. On a plusieurs indicateurs, puis j'ai hâte de vous les partager avec l'Assomption 2025, qui nous disent que les citoyens souhaitent que nous assumions un rôle de leadership en termes de gestion puis d'action environnementale. Alors, on a un comité qui est formé d'élus, d'employés de la municipalité, cadres et col bleu, et ainsi de suite. Et plusieurs citoyens aussi qui viennent participer à la discussion pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme municipalité, qu'est-ce qu'on peut faire, poser comme geste, puis inciter nos citoyens à contribuer à l'environnement. Je pense pas que ça soit quelque chose qui est rendu facultatif, c'est rendu quelque chose d'essentiel qu'on s'occupe et qu'on se préoccupe surtout de l'environnement. Vous avez peut-être vu, certains citoyens poser la question, on a commencé... vous savez que nos frênes sont attaqués par la grille du frêne. Il y a plusieurs arbres actuellement qui sont abattus au sein de la municipalité. Sachez que nos cols bleus actuellement sont en train de remplacer ces arbres-là. Les arbres qui ont atteint une très grande maturité, il y a des techniques qui permettent de peut-être sauver ces arbres-là. Dans le cas des arbres de gros calibre, on va tenter de les sauver. Dans le cas de plus petits arbres qui sont atteints par la grille du frêne, on va les remplacer tout simplement. Il y a à peu près 40 arbres qui vont être abattus et remplacés, particulièrement dans le secteur de la nouvelle école sur le boulevard La Fortune. Il y a aussi la place du Puits, plusieurs arbres qui sont marqués. Alors, soyez pas inquiets, là, c'est les arbres qui sont abattus seront remplacés. Nos gens de nos cols bleus puis les gens de l'horticulture travaillent là-dessus actuellement. J'aimerais saluer, il y a deux employés qui ont quitté dans les deux dernières semaines, qui ont quitté pour une retraite, et j'aimerais saluer le travail de ces gens-là. Le premier, je vais vous parler, c'est un pompier, M. Normand Dumoulin. On vient tout juste de monter de la caserne. Les pompiers ont rendu un hommage
très touchant à M. Dumoulin. M. Dumoulin avait commencé sa carrière il y a 26 ans dans le service d'incendie de Saint-Gérard-Majella. Et tantôt, tous les pompiers ont rendu hommage à M. Dumoulin pour sa carrière. C'était un homme clairement très apprécié et respecté. Une autre dame a pris sa retraite, Mme Sylvie Sénécal. Elle a quitté le 3 août dernier. Donc, après 25 années de loyaux services à la bibliothèque, c'est une dame aussi qui est très appréciée de ses collègues. Alors, à ces deux personnes-là, merci pour vos mois de service au sein de la municipalité. Puis, on vous souhaite une excellente retraite, qu'elle soit passionnante, longue et remplie de belles aventures. On a eu, parlant de pompiers, on a eu hier un incident majeur, un incendie majeur dans le secteur Saint-Gérard-Majella. On a pu voir que sans faire de mauvais jeu de mots, les réseaux sociaux se sont embrasés avec beaucoup de mauvaises informations, puis de fausses informations. Là, c'est terrible ce qui circule. Puis juste par respect pour le travail de nos pompiers, je choisis ce soir de vous donner les vraies informations. Ce matin, on pouvait lire que finalement, nos pompiers, ça avait pris 30 minutes pour répondre à l'incendie, puis que ben sachez là qu'on a réécouté encore une fois aujourd'hui toutes les discussions sur la ligne 911. Donc entre le moment de l'alerte puis le moment qu'on est arrivé, ça a pris 10 minutes pour arriver sur le lieu d'incendie. Nos pompiers étaient sur un appel déjà sur le chemin des commissaires pour un feu de broussailles. La situation étant sous contrôle, ils ont reçu l'appel, ils ont laissé leur équipement là-bas et dès lors, ils ont embarqué dans leur camion. Ils ont passé par le chemin Zoroy pour se rendre à Saint-Gérard-Majella. Et en l'espace de 10 minutes, on avait 7 pompiers sur le site pour répondre à cet incendie-là. Le constat était, en l'espace de 3 minutes et demie, là, c'était clair que la maison était très, très, très rapide comme embrasement, là, c'était spectaculaire. Là. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les propriétaires, la famille éprouvée par ça. Heureusement, il n'y a pas de perte de vie ou de blessure. Alors, le défi sera matériel, ils devront se réorganiser. Mais des fois, il doit peut-être juste faire attention à ce qui se dit sur les médias sociaux. Des fois, il y a quelqu'un qui fait un commentaire qui est complètement erroné, puis on se met à débattre, puis à critiquer, puis à remettre tout le système en question sur de la fausse information. Moi, je vous le réitère, la Ville de l'Assomption va répondre à vos questions. Ma page personnelle, la page du maire, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des doutes, des choses que vous percevez à la municipalité, que vous voulez valider, là, on va prendre le temps de vous répondre. Fait que, s'il vous plaît, embarquons-nous pas là-dedans, dans ces débats-là. Et un grand merci à nos pompiers. C'était une journée difficile hier en termes de chaleur. Il y a les 4 maisons autour, ils ont eu certains dommages parce que l'embrasement était important. Mais ça a été un excellent travail de nos services d'incendie et on a battu les attentes du schéma de couverture de risque par notre service d'incendie. Alors, M. Caza, qui avait géré cet incident-là, merci à vous et votre équipe. On a été supporté aussi par les pompiers de Repentigny. En fait, c'est les pompiers de Repentigny. Certains disaient, Repentigny sont arrivés avant. Sachez que c'est les pompiers de Repentigny qui sont en caserne permanente à l'Épiphanie. À l'Épiphanie, ils sont servis par le service de Repentigny avec un service permanent. Alors, eux sont passés par Chemin du Roi. On a été supporté. La MRC d'Autriche sont venus ici en caserne. Ils ne sont pas intervenus sur le lieu d'incendie, mais sont venus prendre la relève au cas où on aurait un autre appel à intervenir. Puis la municipalité, c'est sur le pays, c'est venu nous aider aussi. Alors, une très belle collaboration. Merci à nos pompiers. Maintenant, l'Assomption 2025, vous le savez, on est en pleine consultation depuis la fête nationale qu'on a lancé ça. On est ravis de votre participation. On est rendu à plus de 1100 personnes qui ont répondu au sondage. Vous savez qu'en maths, ceux qui ont fait des mathématiques statistiques, là, avec 1100 répondants, on peut sonder le Canada, avoir une opinion. Alors nous, on est rendu à plus de 5% de la population qui répond à ce sondage-là. Merci de votre engagement dans cet exercice-là. Je vous invite, vous avez encore quelques semaines pour y participer, soit sur le 2025, l'assomption2025.ca, ou dans tous les bâtiments municipaux. D'ailleurs, ici, on a des formulaires, si vous les remplir à la main, nos employés vont les rentrer dans le système. Donc, on est ravis de cette participation-là. Les prochaines étapes, donc on finit juste pour la fin août, on finit la période de sondage. Ensuite de ça, on va se rendre le 22 septembre prochain de mémoire. On va faire le café citoyen. Vous savez, on a lancé le café citoyen au mois de janvier passé. Le premier café citoyen va être dédié justement au dévoilement des résultats. Donc, ce que les citoyens ont émis comme opinion sur les enjeux de la municipalité. Et ensuite de ça, au mois d'octobre, on va commencer à nos tables de discussion. Donc, les citoyens, encore une fois, seront invités à participer. Non seulement on dévoilera nos résultats, mais on va décider ensemble. Les citoyens vont pouvoir nous recommander à nous comme conseil quelles actions devront être prioritaires et de quelle façon les adresser. Alors, c'est une super belle opportunité. On sait que nos cafés citoyens, de plus en plus, il y a une très belle participation. C'est en forte croissance. Puis, dans l'Assomption 2025, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Pour cette fois-là, on va demander aux citoyens de s'inscrire à l'Assomption 2025 en écrivant au café citoyen à commercial ville.l'assomption.qc.ca
et en disant « j'aimerais être là ». L'objectif de ça, c'est qu'on a une grande salle, on va le faire ici, on peut accueillir 200 personnes, mais l'esprit du café citoyen, c'est de pouvoir échanger et discuter ensemble. Dans une salle de 300 personnes, c'est dur d'accomplir ça. Alors moi, nous, comme conseil, on préfère faire plusieurs rencontres au besoin si les citoyens veulent participer pour garder ça intime et dans un esprit de discussion et d'ouverture. Alors l'invitation est lancée. Maintenant, il y avait les Jeux du Québec qui ont eu lieu dans les dernières semaines, donc jusqu'au 4 août dernier. La région d'Anaudière s'est classée au troisième rang. Félicitations à tous nos athlètes. Et j'aimerais particulièrement saluer des assomptionnistes qui ont contribué à ces beaux succès-là. Je pense à Mme Rosalie Proux, à Amy Martel, à Benjamin Dalpé, à Louis Dumont et Antoine Guénette qui ont fièrement représenté notre région, mais surtout notre belle ville. Alors, félicitations à vous tous pour votre performance. Très beau succès ce week-end, samedi dernier, au Parc du Partage à Saint-Gérard-Magella. Il y avait le pique-nique des familles. Vous avez peut-être vu ça aussi sur les médias sociaux ou sur le site, sur l'Infoville. Plus de 1500 personnes ont participé, entre 1500 et 2000. Très, très beau succès. Il y avait énormément de sourires. C'était beau de voir ça. J'aimerais saluer le travail de nos gens des services des loisirs pour cette organisation-là. Ça avait beaucoup de classe. L'École bleue aussi ont participé. Là, dès qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait améliorer, l'École bleue était au travail. Nos pompiers et nos policiers étaient présents sur place aussi. Donc, les pompiers étaient là. Les enfants pouvaient visiter le camion de pompiers. Les policiers à vélo étaient présents. Puis, il y avait une dynamique avec les enfants. Donc, c'était très beau de voir ça. J'étais très fier de notre ville dans ces moments-là. Alors, merci à tous nos employés puis surtout à toutes les familles qui ont participé. Dans les commentaires étaient tous très, très positifs. Des petites améliorations qu'on pourrait apporter dans les prochaines années, c'est peut-être d'avoir une tente parce que c'était très chaud ce samedi, donc avoir un petit peu d'ombre. Nos arbres ne sont pas encore à maturité dans le magnifique parc du partage. Alors, ce sera peut-être quelque chose qui pourrait être amélioré là, vu qu'on s'adresse aux enfants puis des mamans qui voulaient allaiter. Donc, c'est des petites choses qui sont très faciles à améliorer dans les prochaines années. Et c'est sûr que ça va se poursuivre parce que c'est un très beau succès. Maintenant, au niveau du réseau routier, peut-être les gens de caméraman pourront faire un zoom sur les panneaux qui sont ici. Vous savez, dans les dernières séances, on a officialisé le lancement des travaux pour la montée Saint-Sulpice pour la phase 2. Désolé pour les gens du conseil, là, vous avez déjà vu ces images-là. Alors, une des choses, je vais le mettre ici pour ne pas bouger pour le zoom. Une des choses qui va être, entre autres, réalisée à compter de la fin septembre, c'est qu'il va y avoir un trottoir qui va être construit sur le côté sud de la route 343 à partir du Jean Coutu pour se rendre jusqu'au Vidéotron. Actuellement, beaucoup des citoyens avaient un trottoir d'un seul côté. Les citoyens, souvent, il fallait qu'ils traversent deux intersections pour faire la route. On sait que nos intersections, ça peut être éprouvant pour certaines personnes. On travaille là-dessus aussi. Alors, de construire ce trottoir-là, ça va permettre aux citoyens de rester toujours sur le même côté s'ils le souhaitent. Ça va être beaucoup plus sécuritaire. Puis, il va y avoir des aménagements qui vont être faits en termes de plantation d'arbres aussi, de l'affichage qui va être terminé. Alors, ces travaux-là seront réalisés à compter de la fin septembre. Alors, voilà. Vous allez voir qu'il y aura un chantier sur votre route dans les prochaines semaines, mais c'est pour l'amélioration de notre ville. Entre autres choses... Et oui, le prolongement de la piste cyclable, on vous avait parlé le mois dernier qu'on allait lancer la construction de la piste cyclable qui relie le chemin du Golfe jusqu'au boulevard Lange-Gardien. C'est un défi de sécurité depuis plusieurs années. Alors, sachez que le conseil municipal octroiera ce soir le contrat de conception des plans de vie et surveillance des travaux d'aménagement. Il y aura aussi l'octroi du contrat pour les services professionnels pour l'étude de circulation sur la 343 entre le boulevard Turgeon, l'entrée Martel et jusqu'à Francaire. On sait qu'on a des défis de congestion dans ce secteur-là sur les heures de pointe. Alors, la réflexion va être commencée. On aura des plans sous peu et une évaluation des coûts pour améliorer la situation. Alors, ça bouge à ce niveau-là aussi. Puis, il y aura aussi l'appel d'offres pour les services professionnels pour l'aménagement du nouveau terrain de pétanque qu'on veut construire dans le parc Léo-Jacques. Vous avez annoncé ça le mois passé. Alors là aussi, ça va bouger. Au niveau de la sécurité routière maintenant, ça l'a fait discuter pas mal nos citoyens. Donc, on avait lancé une opération de sécurité routière au mois de juin. Des gestes avaient été posés de façon graduelle. Dernière opération qui a été faite, ça a été de poser des brigadiers statiques. À l'origine, c'est des brigadiers standards. Et il y a peut-être trois semaines maintenant, un mois, on a installé des brigadiers en forme d'enfant pour rappeler aux citoyens l'importance de ralentir. Ça a créé certaines discussions, certains malaises. Des gens étaient inconfortables avec cette décision-là. Par contre, moi, et certains conseillers, on a relancé les gens qui nous avaient fait part de leurs inquiétudes par rapport à la sécurité de nos enfants. Et les commentaires sont tous très positifs. L'effet escompté, là, c'est que ça ralentisse.
OK, mais nos services de police l'ont confirmé, là, ça ralentit dans nos rues, ça ralentit dans nos quartiers, nos enfants sont plus en sécurité. Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer les choses? Toujours, on pourra toujours améliorer les choses. Les brigadiers statiques, certains nous disent, ah, de soir, c'est pas très, très, ça reflète pas beaucoup la lumière, sont difficiles à voir. Fait que c'est des choses qu'on va améliorer au fil du temps. Encore une fois, on ne pose pas des gestes en vous disant « oui, oui, c'est ça la bonne façon, on écoute vos commentaires, on va améliorer ». Dans l'ensemble, très positif. Dans les endroits où c'était plus difficile, je vous dirais, c'était là où des citoyens refusaient peut-être de collaborer, là, puis restaient stationnés vis-à-vis le brigadier statique, et là, ça bloquait complètement le passage, qui forçait les automobilistes à passer dans l'autre voie. Donc, on avait un objectif de sécurité, mais par manque de collaboration de certains citoyens qui avaient peut-être leur bonheur plus à cœur que le bien commun, ben on va au lieu là, on pourrait réagir en disant on va mettre des affiches de no parking puis on n'embarquera pas là-dedans, là, moi, l'émotion puis le, on va rester intelligent dans nos actions là. Alors peut-être qu'on va juste venir déplacer certaines de ces choses-là et avec des citoyens qui souhaiteront collaborer pour le bien commun. Alors voilà pour l'affichage. Très bonne nouvelle aussi, vous vous souvenez qu'on a fait une demande de subvention pour ajouter des panneaux radars, parce que la meilleure solution, là, on est tous d'accord là-dessus, c'était mettre des panneaux radars à l'entrée des quartiers urbains pour rappeler aux citoyens à quelle vitesse ils roulent, avec un sourire si ça va bien, puis une baboune si ça va moins bien, là, si les gens ne respectent pas la limite. Alors, bonne nouvelle, on a eu cette subvention-là. Fait que c'est 50% de la subvention qu'on va avoir à ce niveau-là. On est très, très heureux de ça. Et donc, on va les positionner. On va tenter de commencer le travail dès l'automne. Et nos brigadiers statiques de milieu de rue, dans certains cas, ils ont été vandalisés. Donc, on risque de les remplacer par des brigadiers standards. C'est ça, vivre en communauté, ça vient avec. Alors, on va tenter de travailler intelligemment par rapport à ça. Et certains aussi, là, sur les médias sociaux, encore une fois, ont parlé de gaspillage de fonds publics, que ça n'avait pas de bon sens. Sachez une chose, le gaspillage de fonds publics, c'est pas de mettre un brigadier au milieu de la rue. Le gaspillage de fonds publics, c'est que les citoyens qui respectent pas nos limites de vitesse et qui compromettent la sécurité de nos gens, c'est eux qui causent des augmentations de taxes. Alors, peut-être juste taper sur les bons coups, c'est ces gens-là qui nous forcent à investir dans la sécurité routière et on serait très heureux de pouvoir l'éviter. Alors, je vous le rappelle, merci à tous les citoyens de faire attention. On est une ville de famille et nos enfants ont le droit d'être dans nos rues. On va encourager ça. Maintenant, au niveau d'une bonne nouvelle aussi, on a deux terrains synthétiques à l'Assomption. Il y en a un qui est derrière le parc du Coteau, qui est derrière l'Hôtel de Ville. Puis il y a aussi le parc Courcel qui est derrière l'école secondaire de l'Amitié. Les parcs, comme c'est des terrains synthétiques, étaient barrés toute la journée, à moins qu'il y ait des activités organisées par nos organismes sportifs. Donc, la Ville a décidé de les ouvrir et les rendre accessibles à toute la population. Là, tant qu'à avoir un terrain synthétique, ça coûte à peu près 1 100 000 $. Et c'est pas l'usure, c'est pas parce qu'on joue dessus qu'on l'use. Hein, fait qu'on va le rendre accessible. Ce qu'on demande à nos citoyens, c'est assurez-vous que ça serve à des activités sportives, qu'on priorise ça. C'est pas pour faire des pique-niques, c'est pour faire du sport sur une surface qui est très intéressante. Alors, on ouvre cette opportunité-là à nos citoyens. Maintenant, autre dossier aussi, en fonction, au début du mandat, on avait parlé qu'on allait faire des exercices par rapport à l'analyse de notre gestion immobilière, notre gestion de ressources humaines au sein de la municipalité, aussi de la gestion de tous les équipements. Là, en tout cas, on poursuit avec ça. Sachez qu'on amorce officiellement une étude de tous les pieds carrés que la ville occupe. Quand on fait l'inventaire de tous les pieds carrés dont on dispose à la ville de l'Assomption, c'est énorme en termes de pieds carrés. Certains pieds carrés nous coûtent très, très cher à entretenir et sont souvent très peu utilisés. Alors là, on amorce une réflexion pour savoir de quelle façon on peut mieux utiliser ces pieds carrés-là. Le but, c'est d'offrir de meilleurs espaces à nos organismes, mais aussi d'avoir des économies importantes. Il y a beaucoup d'économies qu'on peut réaliser. On a un effet de gestion de taxes, là, vous nous le signifiez. Alors, il y a des gestes qui vont être posés en ce sens-là. Même tous les employés de la municipalité sont mis à profit alors qu'on se parle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et on vous annoncera dans les réflexions des belles pistes qui sont identifiées. Alors, des changements sont à venir au sein de l'occupation des pieds carrés de la municipalité. Ce soir, on va renouveler un bail pour un an, mais ça risque d'être la dernière fois. Parce qu'en plus de posséder beaucoup de pieds carrés comme communauté, parfois sous-utilisés, on fait aussi de la location dans certains. Alors, ce qu'on va tenter de faire, c'est de terminer ces baux-là. Et ensuite de réorganiser nos locaux pour faciliter la vie de nos organismes et de nos citoyens. Et je vous lance une invitation. Vous le savez, on a une nouvelle école qui va ouvrir à la rentrée qui s'en vient. Je pense que c'est le mardi 29 août, là, je peux me tromper dans les dates, que nos jeunes vont rentrer à l'école. Le 24 août prochain, la Commission scolaire des affluents, la direction de l'école Louis-Laberge et la Ville de l'Assomption vous invitent tous et chacun à venir visiter cette école-là.
pas, si vous avez des enfants, bravo, venez avec vos enfants pour leur montrer l'école, puis enlever un petit peu de stress 5 jours avant la rentrée officielle. Mais même si vous n'avez pas d'enfants qui allaient fréquenter cette école-là, c'est votre nouveau voisin. On va s'en servir pour nos loisirs. C'est une collaboration qu'on a avec la commission scolaire. Et vous êtes invité le 24 de midi à 18h. On va être présent, les jeunes de la commission scolaire seront là. Notre service de police va être présent aussi pour accueillir les jeunes, peut-être notre service d'incendie aussi. Alors, on va en faire une fête. La ville d'Assomption va avoir une tente et on va vous offrir des hot dogs et du blé d'Inde. Question de rendre ça festif. Et sachez que tous les profits de ces ventes-là vont servir à investir dans un module. La commission scolaire a déjà prévu de mettre un module de jeu dans la cour arrière de l'école. Nous, comme on veut que ça serve à tous les enfants du quartier, on aimerait ça le bonifier. Alors, tout l'argent qui sera, le don que vous ferez en mangeant des hot dogs et du blé d'Inde, ben, ça va servir à bonifier cet équipement-là puis à servir notre communauté. Dernier point, nous avons amorcé une tournée des entreprises qu'on va poursuivre dans les prochaines semaines. Le directeur général et moi-même, on va faire cette tournée-là. On va aller à la rencontre des industriels ou des entrepreneurs de l'Assomption pour voir quels sont leurs défis d'avenir, de quelle façon la ville pour les accompagner. On a déjà rencontré StageLine, vous l'avez vu sur les médias sociaux. StageLine, c'est une entreprise qui est florissante, encore font beaucoup de recherche et développement. Ils ont récemment créé plus de 15 emplois chez nous, alors on est ravis de ça. Et la ville ce soir va annoncer une aide financière de montant 15 000 $. C'est pas énorme, là, considérant les enjeux. Là, c'est une entreprise qui travaille dans 45 pays. Là. Alors, mais on voulait quand même signifier de dire oui, on est derrière vous, puis si on peut collaborer avec vous. Et on va envoyer un message clair aux investisseurs, aux entreprises, aux industriels, que l'Assomption est une terre fort propice et peut être rentable. Alors voilà, si vous avez des questions pour moi, si vous avez des commentaires sur la ville, des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord, je vous invite à m'écrire sur la page Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption. Pour ceux qui m'écrivent souvent, sachez que je réponds à toutes les questions. Je ne vous dirai pas toujours ce que vous voulez entendre, mais je vais vous donner les faits et la vérité. Et donc, vous êtes les bienvenus sur cette page-là. Je pense que si on se dit la vérité comme communauté, ça va être beaucoup plus simple. On va enlever de l'émotion un peu dans nos relations. Alors voilà, je salue tous les gens qui ont participé à la présentation sur Facebook. On s'en va à la séance conseil du mois d'août. Merci à tous.